Ricardo Pinto méconnaissable, la prise de poids choque les fans. Sur Instagram, Ricardo Pinto a publié un cliché de lui et Nuda. Les fans étaient choqués par l'énorme prise de poids du jeune homme. C'est en participant à Friend Trip que Ricardo Pinto s'est fait connaître. Le beau gosse, au bas tatoué et musclé a tout de suite séduit Fidji dans l'aventure. D'ailleurs, les deux sont sortis ensemble plusieurs mois avant de se séparer. Aujourd'hui, le jeune homme est en couple, heureux, et papa, aux côtés de Nuda. D'ailleurs, il semble si heureux que Ricardo Pinto se laisserait un peu trop aller. En effet, il vient de poster un cliché sur son compte Instagram dans lequel il apparaît en train de marcher, aux côtés de sa compagne. L'ancien candidat de télé-réalité reconnaît qu'il n'a plus un corps aussi sportif qu'auparavant. J'avoue, on voit mon gros bide de poing. Plus gros, plus maigre, je pense que c'est pas le plus important. J'ai hésité à l'assumer, mais bon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans n'ont pas tardé à réagir en découvrant le corps du jeune homme. La plupart étaient choqués par ce qu'ils voyaient. Tu ressembles à Pablo Escobar dans Narco. C'est vrai, c'est pas le plus important. Mais y a quand même un gros laisser-aller là. Oh putain Ricardo. Non mais non, hello, et lui qui avait un si beau corps. Que s'est-il passé? Y a un deuxième bébé pour Ricardo ou c'est la retraite? C'est quoi le vrai souci de poids? Hello et non, là y a du relâchement. On dirait qu'il peut plus respirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais tout beau, tout frais, maintenant t'en dirais une patate. Ricardo Pinto soutenu par Société Anonyme Femme Nuda. Heureusement, Ricardo Pinto peut compter sur le soutien de sa girlfriend dans ce moment difficile. En effet, Nuda n'a pas hésité à commencer la photo de son homme et lui apporter tout son soutien. Assurant par ailleurs que ses kilos en trop faisaient de lui un vrai papa, moi je t'aime comme ça ma vie. C'est le corps d'un vrai papa ça, et puis dès qu'on sera à Miami laisse tomber comment on va se reprendre.